Ludo, pour la Free Ride TV. Voilà, donc on vient de tester chez Black Crow le Camox en 186. Un ski qui fait 98 en patin, qui a un bon rocker très marqué, un ski qui était déjà dans la gamme l'année dernière. Vous voyez, avec un rocker très très marqué. Hein. Très peu de, pas de rocker en talon par contre. Hein. On a vraiment un rocker en spatule. Donc un ski. Comment t'as trouvé Ludo ? Toi qui. Bah moi qui suis pas un grand skieur. On va dire que c'est la première fois, il faut quand même. Voilà, c'est la première fois qu'il passe sur des skis autour de 100. Il était plutôt sur des skis classiques jusqu'à présent. Voilà, plutôt parabolique, donc très facile, très accessible. Et là, bah, c'est un ski qui est pas trop exigeant, qui pardonne vraiment toutes les fautes de quart pour un skieur occasionnel. Très très facile, très bonne crante. Et petit passage en poudreuse sympa, donc j'ai pas un grand niveau pour juger ça, mais très très facile et accessible. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un ski hyper accessible, hyper polyvalent pour monsieur tout le monde. C'est un ski qu'on pourra vraiment skier toute la journée sans se fatiguer. Ça a vraiment une très bonne souplesse en spatule. À côté de ça, bah, sous le talon, sous le pied, on sent qu'on a de l'accroche, on sent qu'on a de la tenue. Donc on peut accélérer le rythme, on peut carver avec le ski tient. La limite de ce ski, oui, c'est vraiment le très bon skieur qui rentre dedans, qui va le plier un peu, pour qui le ski va être un peu souple. Par contre, voilà, pour un skieur qui skie un peu moins souvent, un peu moins expérimenté, c'est un ski, voilà, hyper facile, hyper polyvalent. En poudreuse, c'est vraiment un régal, ça tourne tout seul, c'est très facile dans les bois. Voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut un ski pas fatigant, pas contraignant, avec lequel il va pouvoir se faire plaisir toute la journée. Qu'est-ce que tu peux dire de plus, vraiment, ouais, je pense qu'on... acheter les yeux fermés. Voilà. Une valeur Merci sûre. Merci à vous.